Depuis les années 1990, Jamel Debbouze s'est imposé comme un artiste à part entière en France. L'humoriste, acteur et producteur franco-marocain a récemment reçu le prix de l'artiste citoyen 2022 de la part de Pierre Lescure. Le mercredi 15 juin, c'est lui qui lancera la 10e édition du Festival d'Humour, le Marrakech du Rire, au Maroc. Côté vie privée, l'homme de 46 ans a également une vie bien remplie auprès de la journaliste Mélissa Theuriot. Après s'être marié en 2008, il est devenu père de deux enfants, Léon, 13 ans, et Lila, 10 ans. Pourtant, la vie de l'humoriste a basculé le 14 mars 2021, après la mort brutale de son père, Ahmed Touzani, atteint d'une maladie fulgurante. Après cette perte tragique, Jamel Debbouze avait souhaité lui rendre hommage sur Instagram. Il avait publié une photo de ses parents et avait sobrement écrit « Paix à ton âme papa ». Merci pour tout. On ne t'oubliera jamais. Jamel Debbouze, quand j'ai besoin d'éduquer mon fils, très souvent je pense à lui. Depuis la perte de son père, Jamel Debbouze n'est plus le même. Dans une interview accordée au Monde et parue le dimanche 5 juin, l'acteur d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, s'est confié sur sa vie depuis qu'il est devenu lui-même père de Léon et Lila. Cela change tout. Je viens de perdre le mien, je n'ai plus que ma maman. Mais mon père n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, a-t-il expliqué avant de finalement poursuivre, quand j'ai besoin d'éduquer mon fils, très souvent je pense à lui. Un très bel hommage à l'homme qu'il a quitté depuis un peu plus d'un an et qui serait probablement très fier de l'éducation que son fils donne à ses petits-enfants.